Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suivants et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport, Dom Gagnéndiaye, Warul Tuit, Warul, Ragal, Malin du Bégué, Dylan Bégué, Dylan Bégué. Maintenant, on va parler de l'exode saoudien. Donc, nous venons, le championnat saoudien va être relevé cette saison et ainsi de suite. C'est vrai, ils recrutent. Donc, de très bons joueurs, hein. Hakim Ziyech Demna, Ruben Neves, Koulibaly, Edouard Mendy. Beaucoup de joueurs, Marcelo Brozovic, Mungi en route. Il y a Cristiano Ronaldo là-bas. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué en Arabie Saoudite. Vincent Aboubakar, il était à Al-Nassr. Il a joué Coupe du Monde avec Kanbi. Mais Cristiano Ronaldo, il est au Besiktas. Donc, il y a Anderson Talisca, un ancien joueur de Benfica. Donc de Fenerbahçe en Turquie. Donc il joue, mon nom est meilleur buteur du club de Cristiano Ronaldo Al-Nassr. Il y a beaucoup de joueurs, mais il fallait que l'Arabie Saoudite, il joue là-bas. Mais il faut savoir une chose, même si Gaïn Faidem, ça ne veut pas dire le niveau du championnat, donc de y est carrément. Parce qu'on a vu aussi la même chose avec la Chine. Exode chinois à mon avis dans les années donc 2016-2017, après il y a eu un exode massif, surtout marqué par le transfert de Oscar. Oscar, un grand ténor du football brésilien, un jeune joueur avec plein de promesses, champion d'Europe, venu de la Ligue Europa en 2013, il dispute la Coupe du Monde 2014, il gagne le championnat en 2015, en 2017, on se dit que Oscar est le nouveau Kaká du Brésil, Oscar Dem. Mais il s'est juste fait, c'est un travailleur comme les autres. Il va gagner de l'argent pour aider sa famille, parce que Gaï FM, ils viennent de familles un peu, donc des fois, défavorisées. Donc, d'après une étude en 2013, la plupart des footballeurs tombent en faillite 5 ans après leur retraite. Donc, ça c'est très clair. En enquête du cabinet allemand Schips, Schips Finance, en 2013, certifié que 50% des footballeurs professionnels font faillite 5 ans après leur retraite. Mauvais choix sportif, investissement, catastrophe, dette de jeu. Donc, les raisons sont nombreuses. Elles n'épargnent personne. Des fois aussi, divorcé, il y a beaucoup de problème yo xamné mën nañu concourir à ce que donc le footballeur tombe en faillite. Mo do jour bari dañuy dem sécuriser wu. Koulibal il a 31 ans, il avait le challenge mais dañu wouti xaliss. Edouard Mendy xamné aussi c'est comme mu dem wouti xaliss. Ken doon ko bañal parce que c'est personnel. Chacun prend donc son destin en main. Axel Witsel wax nako. Bimi nek jeune ay 24 ans nek terrain Belgique. Dafa quitter Saint-Pétersbourg dem Chine. Alors gagne ko annoncer ay Barça club yu magi. Mais néna dafa am toute une famille derrière lui, il faut mu dem wouti khalis am assurance donc ñuat ci ñuat donc je fallait que Dortmund après mu dem Atletico Madrid. Donc je pense que ce sont des choix qui se comprennent et des joueurs qui vont là-bas sont toujours compétitifs pour leurs équipes nationales. Ojo Igalo waxnako Bounja Badjan Bounja qui a marqué le but vainqueur face au Sénégal en 2019, il jouait à Al Sadd au Qatar. Donc beaucoup de joueurs ya xamanteni Aboubakar, il a fait un bon mondial, une bonne carte, il joue à Al-Nassr. Moi, je suis dit que nous avons 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 dit. Si la Zambie gagne une Coupe d'Afrique des Nations avec des inconnus, il y a des joueurs qui ont fait le football, ça serait des prétextes pour éliminer des joueurs. Nous avons dit que ce n'était pas normal. Nous avons dénoncé. Sinon, nous avons dit Koulibaly, nous avons dit Edouard Mendy, nous avons dit que nous avons dit Chine, nous avons dit Qatar. Nous, l'autre intéressant, l'essentiel, que le joueur soit compétitif. Point. Qu'il joue au Sénégal ou pas, l'essentiel, moi, le joueur compétitif. L'autre mot, c'est voilà. Hongrie, il y a des joueurs qui jouent MLS, avec Gazdag, Daniel Gazdag. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec Svidersky. Nous jouons Chicago, nous jouons Pologne. Donc, je pense que ça, c'est pas un problème. Mais, allez-y, donc, il y a pour écarter les joueurs. L'autre, il y a des c'est pas normal. Mais, actuellement, il est revenu à la raison. Je le parle pas au nous voyons pas au Mansaro, mais pas au Mansaro, boum, qu'il y a. C'est pas parce que Djel, parce qu'il compte l'amener à la CAN. Non, CAN, vous faites comme Soubele, pas au Mansaro, tout d'même. Vous aurez maté, allez, je dis le parle au Mansaro, il compte pas sur lui. Donc, Moutaro Balde, on a fait une chance. C'est Yann Sisbi, donc, on a des mortels. Ça, des dames, on a des mortels, nous avons des places. Vous voyez, nous avons des. Mais, en Sierre Nan, le témoin. Témoin positif, c'était Koulibaly. Un jour, on a des ténors là. Ko xamne moy capitaine équipe bi bu demé championnat yone xam ndax nako wam duko wo parce que tu écartes un jour tu dis que demba tu joues en Chine duma la jël mais dama jël Moussa Konaté ak ni tay nga dem jël jour bi jeu Arabie Saoudite Alfred Ndiaye dem après quand dem mu dem Arabie Saoudite nga nako duma la jël parce que championnat yone amul niveau da nga wouti xaliss Papa Ndiaye dem nga nako tu as choisi l'argent Koulibaly dem na mais dang koy wo fofu lañuy wax il a reconcilié to lolu lañ doon wax ci mom lolu lañ waxone dès le début donc football. Faut pas hypothéquer l'avenir.
L'essentiel, nous jouons compétitif, en temps de jeu, performant, gawoko, duoko sa équipe. Point. Mais exode actuellement, donc c'est en masse. Mais rappelons-nous, donc à mon avis en Chine, Marek Hamzi, Graziano Pelé après l'Euro 2016, Mukhtar Sarson ton thème. Il y a beaucoup de joueurs qui ont couru l'Europe. Wow. Tevez, Luis Felipe Scolari, Nyom, Cannavaro, Luis Felipe Scolari, justement, qui a permis à Ganzu, ça c'est positif, Ganzu Evergrande, de gagner la Ligue des Champions asiatiques en 2015. Voilà. Donc, Luis Felipe Scolari, il y a des Saoudiens qui sont Chinois qui sont Qataris qui sont mais Saoudiens, ils ont fait ce modèle, d'expérimenter ce modèle pour amener des joueurs expérimentés en Europe pour mener. Gagner écouter le niveau du championnat saoudien, gagner gagner en visibilité pour que nous menons voir les prochaines organisations de Coupe du Monde. Mais moi des Chinois et moi ici, mais ça ne veut pas dire que l'équipe nationale chinoise gagne un job ou alors donc championnat chinois lui c'est beaucoup plus fort que les autres championnats asiatiques. Rappel Ben Yonrek le que Evergrande dit en 2015 sinon Djela Tunko. Donc c'est pour dire que il faut savoir raison garder. Voilà exode c'est bien, on est au dem mais quand même qu'un demi fort pour gagner Ballon d'Or. Donc si ça dit de compétitivité de challenge Europe Mongo. Mais quoi faire d'info, c'est en partie grâce à l'argent. Retraite d'or et l'incorona. Mais quand même, il y a des jeunes joueurs, je vais d'investir dans l'info. Ils ont des dèmes, des ignorants. Parce que là, quand même, le football est développé. Voilà, Arabie Saoudite, ils ont battu l'Argentine. Donc, ça peut permettre quand même donc, de faire souffler donc, le football saoudien. Gars, ils gagnent gang, échange technologie, gars, ils gagnent avancer. Mais quand même, il faut se dire que ce n'est pas la première fois. Donc, l'Arabie Saoudite ne fait que copier le modèle Qatari et le modèle chinois, Dom Gagné, Warul Tit, Warul Ragal.